Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. Je vous présente aujourd'hui l'une des nouveautés de mon calendrier 2024. C'est une suite de 52 webinaires qui auront lieu sur Zoom tous les dimanches, toute l'année, à 17h. Vous pouvez vous y inscrire à la carte, à tout moment, webinaire par webinaire ou plusieurs webinaires à la fois, lorsque les thèmes vous inspirent et résonnent avec vous. C'est libre, ouvert et disponible quand vous le voulez, en repérant les dates qui vous conviennent et ce qui vous intéresse, en allant sur la page de ma boutique, Team Space News, puis onglet Webinaire et enfin onglet Les Galactiques 2024. Sur cette page, vous trouverez toutes les étapes à suivre et les instructions qui vous seront utiles pour vous inscrire. Ces webinaires vous proposent de vous faire découvrir la vie au-delà de notre planète, car la vie, qui n'est pas une exception mais une norme, s'est développée non seulement sur notre planète, mais sur beaucoup d'autres, et des lignées extraterrestres se sont installées ici sur Terre et sur d'autres planètes de notre système solaire. Les thèmes de ces webinaires sont orientés vers les liens que la vie a tissés entre notre planète ou notre système solaire et ceux qui l'entourent. C'est une manière nouvelle d'intégrer le fait que nous ne sommes pas seuls et que notre planète se situe dans un ensemble immensément vaste de vie, de formes, de personnes en chair et en os, et des liens qu'elles ont tissés avec nous et notre environnement, ainsi que les marques qu'elles ont laissées sur notre humanité. Les informations que je vous propose ont comme source mes contacts extraterrestres, en direct, à l'écrit et en audio, depuis 2016, notamment avec mon contact principal, Zen. Elles sont donc uniquement d'origine extraterrestre. L'histoire qui y est racontée est la nôtre en tant que descendants des anciens cosmonautes qui ont vécu sur Terre et qui sont encore actuellement présents sur Terre ou en haute orbite terrestre. Les thèmes proposés se déroulent sur 12 mois. En janvier, nous verrons la Terre technologiquement avancée dans les temps anciens. Sol 13, l'histoire ancienne de notre système solaire et de la Terre, racontée par des extraterrestres depuis l'espace. Ensuite, la grande expansion et l'arrivée sur Terre des anciens extraterrestres et de leur technologie. Nous verrons l'Atlantide et la Lémurie, racontées par d'anciens occupants extraterrestres, et l'épopée du déluge vécue par des extraterrestres qui vivaient sur Terre à cette époque. En février, nous verrons les planètes occupées par des extraterrestres, notamment la mise en orbite de la Lune par la Fédération Galactique des Mondes et la création de la bulle électromagnétique autour de la Terre. Puis, nous verrons la Lune et ses réacteurs lunaires, l'actualisation en janvier 2024, la planète Mars, la destruction, la réhabilitation et le développement, un havre pour les mantes d'eau jaloux, d'Eris, des maîtres, des grands gris et des terriens, et enfin la planète Vénus, l'invasion, la division, les liens avec la guerre au Vietnam de 1955 à 1975. Au mois de mars, nous aborderons les premiers projets extraterrestres qui ont été implantés sur Terre, les étortants, l'implémentation des proto-humains, les Arcturiens, les premiers constructeurs des pyramides d'Égypte, à quoi servaient les pyramides, Ishtar ou Isis, la pléiadienne Ishta de Héra, et l'invention des capsules de mise en stase, l'Atlantide, Chichen Itza au Yucatan, une pyramide au cœur d'une pyramide, et les Atlantes, les géoglyphes de Nazca au Pérou. En avril, nous verrons les anciennes civilisations extraterrestres, notamment les géants
qui vivaient sur Terre ou qui vivent encore sur Terre, les Anunnaki, l'histoire d'Anki et Enlil, et l'inversion de l'histoire, les Elohim, les anges déchus qui ne le sont pas tellement, Adam et Ève, qui étaient-ils vraiment? Au mois de mai, nous verrons les typologies extraterrestres, la vie en parallèle des populations extraterrestres qui étaient technologiquement plus avancées que les humains autochtones, archaïques, les Néandertaliens, les Denisoviens et les antécesseurs, puis les Starseeds, des extraterrestres qui sont en stase, véritables agents infiltrés ici sur Terre, les intromis stellaires, les crawl-ins, les colocataires corporels, les walk-ins, les expéditionnaires extraterrestres, les walk-downs, puis les hybrides, les humains bioniques de la nouvelle Terre, les clones et les centres de clonage, et les humains vides, c'est-à-dire les humains sans âme. Au mois de juin, juillet, août et septembre, nous commencerons toute une série de webinaires impliquant la Fédération Galactique, que l'on appelle aussi la Fédération Galactique des Mondes, ou quels accords avons-nous signés avec la Fédération, depuis quand et quelle lignée extraterrestre, l'explication de ce qu'est exactement la Fédération Galactique, son histoire, sa structure, son organisation, son rôle, sa localisation dans l'espace. Je vous présenterai ensuite le gigantesque cosmoport caché derrière la Lune où vivent de multiples lignées et des millions d'extraterrestres à bord. Qui sont-ils ? Et ensuite les lieux de rencontre et de réunion entre les élites terrestres et les élites extraterrestres. En juillet, nous verrons donc les différentes typologies des races extraterrestres, des humanoïdes, les andromédiens, les amphibiens, les aviaires, les félins, les insectoïdes, les marsupiaux, les reptiliens et la famille des gris. Nous verrons le rôle des différentes lignées extraterrestres en orbite, les 12 sièges du Haut Conseil andromédien, leur description, leur capacité physique, mentale, spirituelle, leur type de société, leur mode de reproduction, qui est quelquefois très étonnant, l'éducation des jeunes, l'académie de l'espace, les technologies, les robots et intelligence artificielle, les clones, les vaisseaux spatiaux en orbite terrestre, leur forme, leur nombre, leurs équipages. Tout ceci par lignée occupant un siège au sein de la Fédération Galactique. Et nous verrons qui occupe les 12 sièges du Haut Conseil andromédien, qui fait également partie de la Fédération Galactique des Mondes, le siège 1, les Arcturiens, le siège 2, les Andromédiens, le siège 3, les Pléiadiens Tégétans de Procyon et d'Akoté, le siège 4, les Pléiadiens Tégétans d'Héra et de Témère, le siège 5, les Alphratiens, le siège 6, les Syriens, le siège 7, les Vénusiens, en septembre, le siège 8, les Agartiens, le siège 9, les Urmas, le siège 10, les Antariens, le siège 11, les Véganais, de Lyra et d'Avalon, le siège 12, les Étortans. Enfin, d'octobre à décembre, les 12 derniers webinaires seront dévoilés en septembre 2024 et seront choisis à la carte parmi les thématiques que vous aurez mentionnées pendant les deux webinaires précédents et que vous souhaiteriez voir abordées. Voilà, j'espère vous voir très nombreuses et nombreux à ces webinaires. En attendant, portez-vous bien.